Et le grec, j'ai pas de goût tellement je suis malade. Rachou, on dirait à Toulouse, je suis morte. Comment bled, je suis morte. Trop bon. Tout ça pour 15 balles. Regardez, c'est gros grec. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je suis à Athènes, je suis arrivée hier. Mais j'ai pas spécialement vlogué, face cam et tout ça. Parce que j'étais malade, mais genre de ouf, un vrai vomito. Genre, bref, et je suis encore enrhumée et tout ça. Enfin, vraiment, ces derniers jours, la totale. Donc voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas. Hier, j'ai filmé, mais j'ai pas spécialement parlé. Donc j'espère que tu m'en voudras pas pour ça. J'étais pas du tout dans mon assiette. Et aujourd'hui, bon, ça va un peu mieux. Pas non plus la bamba, tu vois. Donc voilà, hier ce qu'on a fait c'est visiter une partie des monuments historiques et tout ça, enfin des sites archéologiques. Aujourd'hui on va faire une autre partie, on a testé aussi des spécialités, enfin franchement c'était cool et tout, une bonne première journée. Je me suis endormie dans le dernier truc où on est allé, genre on s'est posé sur un banc. J'étais tellement chaud, j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement... Je me suis endormie là-bas. Le soir, on est ressorti manger. Franchement, la nourriture ici, j'aime beaucoup la salade grecque, les tzatziki, les trucs comme ça, le pain pita. Incroyable et c'est pas cher de ouf. Par contre, on a testé les loukoumades. Enfin, je sais pas comment on dit ça. C'est une spécialité sucrée d'ici. C'est vraiment genre du gras et du sucre pour rien. Genre vraiment, j'appelle ça grossir pour rien. C'est pas exceptionnel, c'est pas fou. Mais bon, je pense que c'est un truc qui plairait à beaucoup de monde. C'est juste que moi. Faut que ce soit vraiment utile, goûteux, une explosion de saveur, genre, pour que je me dise ça vaut les calories et le sucre et le gras, tu vois. Là, enfin bon, là tout de suite, je suis avec ma maman en fait. Moi j'ai pris mon temps et tout parce que je me suis levée hyper tard, j'ai préféré me reposer bien. Là je vais aller manger et les rejoindre. Ensuite, on va visiter du coup une autre partie des sites archéologiques aujourd'hui. Puis voilà, let's go. Je vais faire un petit tour de mon Airbnb pendant que j'y suis. Là t'as la petite terrasse. C'est mieux dans ce sens. T'as la petite terrasse, là il y a la petite partie commune. En fait c'est une partie commune, hein. Ils nous ont grave fait genre ouais c'est une terrasse pour vous, nanana. Des gros mythos. Mais bon, c'est pas grave. Là c'est ma chambre. Bon je suis désolée mais hier j'étais vraiment pas dans l'ambiance de faire un Airbnb tour. Donc c'est déjà le bazar. Ensuite il y a la salle de bain juste en face. La salle de bain, j'aime trop la vasque, elle est grave cute. Et le parterre, il est en pierre. Je trouve ça grave stylé. Donc voilà. Là, on a une petite cuisine. Voilà, petite cuisine. Là, du coup, c'est la partie pour aller sur la terrasse. Voilà. Là, on a un petit salon, petite table à manger avec le salon. Et là, il y a la seconde chambre, du coup. Donc voilà. Voilà, avec un petit lit pour les bébés. Un petit Airbnb simple et efficace. Donc voilà, moi je vais aller manger. Je vais vous montrer mon outfit du jour. Petit outfit. J'ai remis la même chemise qu'hier. Franchement, il fait tellement chaud. T'as pas envie de t'habiller, t'as pas envie d'être serré dans tes vêtements et tout. Donc dessous, j'ai mis un short avec un body qui va avec. Par-dessus, j'ai cette chemise de chez Naked. J'ai fait tout mon shopping sur site Naked pour ces vacances. Franchement, des pépites. Et ils m'ont donné un code promo
pour proposer à ma communauté Megan Celia 20, du coup valable sur tous les sites hors promotion il me semble. De toute façon je te remettrai tous les détails dans la barre d'infos avec les liens de mes différentes tenues. Coup de cœur pour cette chemise, elle est grave agréable et tout, oversize, c'est parfait pour ici, franchement grave dans l'ambiance et ça va bien avec le style pierre et tout. Je suis grave. Bref, allons manger. Je vais retrouver ma maman aussi, ce serait accessoirement sympathique. La street de mon Airbnb, je trouve ça trop stylé. Et les portes, ça fait un peu comme au bled. Et les marches, un vrai flex en marbre. Vraiment, ça fait pas comme au bled. Il y a un petit hanout au coin de la rue et tout. J'aime trop. Regardez tout. Ma mère m'a dit que c'était des clémentines. La vérité, moi je m'en tiens, je crois que c'est des oranges. Mais c'est trop stylé. Tous les arbres, c'est ça, genre. Et des fruits parfaits. Bon, je suis redescendue après le brunch dans cette rue. C'est en bas du quartier Plaka. Pas très loin de mon Airbnb aussi. Enfin, d'ailleurs, tout est à côté en fait. Il y a plein de boutiques hyper mignonnes et tout. Plein de bijoux. Et je vais acheter des souvenirs, je pense. Avant d'oublier. Il y en a plein partout. Ça pour ramener dans la valise des olives sous vide, je suis morte, ils ont pensé à tout. Ça a l'air trop bon en vrai. Ça aussi c'est leur spécialité, les loukoums et les baklava, du coup il y en a partout. Faudrait que je teste ça dans un resto. Mais oh, ça a l'air trop bon. C'est comme sur la boîte, c'est bon. On ressort le ticket. Hi. Hi, thank you. Ça a mis la casquette, ça a fait une couette comme les petites filles. Ouais. I believe that all of your dreams are direction. You took my heart, all my keys, and my passion. You took my heart, all my sleep, a decoration. So, if I ever had a chance to, I would never, no, never neglect you. I mean, who am I to hold your best against you? I just hope that it gets to you. I hope that you see just true. I hope that you see just true. What can I say? Please recognize I'm trying, baby. Potential, I just gotta see it though. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know. Ça date, j'ai pas parlé. J'ai attendu vraiment pour dire ça. La différence entre les Portugais et les Grecs,
Oh, waouh, les Portugais, genre hyper accueillants, hyper joyeux, hyper hey, tu vois. Oh, les Grecs, my god. Plus méchant, tu meurs, ils regardent mal, parlent mal. Je suis un peu choquée. Ça fait vraiment une chute émotionnelle après le Portugal. Mais enfin bref, tout ça pour dire que on va manger. On a fait la dernière visite de la journée. J'ai changé d'outfit, j'ai mis une cute robe à paillettes. Elle est trop belle. Les catchy, ils sont cute. Regarde. J'aime trop. J'aime trop jouer de mille feux, elle est trop belle. On va aller manger. So, yeah. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, 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 rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You will spend some time away. Now you need a forward. Give me all the work. Hey, on est le lendemain. Aujourd'hui, on quitte notre Airbnb pour aller sur l'île de Egin. J'ai trop trop hâte. C'est une île pas très touristique où il n'y a pas énormément de monde d'après ce que j'ai vu sur internet et que c'est super beau et facilement accessible depuis Athènes. Donc voilà, on verra les surprises sur la route. Mais voilà, normalement, c'est plutôt simple. Aller au port de la Pirée et ensuite prendre un bateau et c'est plutôt simple et rapide. Donc voilà, mais avant ça, on va aller prendre un petit déj. Donc voilà. On va essayer ça parce que sincèrement le petit déj il a pas été assez conséquent. Donc you, vas-y essaye. Prends. Je goûte ça, tu goûtes ça. Ça c'est du bagel. Bagel sésame. C'est trop bon. Tu vois le sponge? Ouais, c'est un donut en fait. Mais c'est bon, hein? Je suis morte, il y a un musée dans le métro carrément. Passage au Hanout. Je vais prendre ça, je pense. Hibiscus. Il y a plein de snacks qu'on n'a pas en France. Vraiment comme les Hanout, vous êtes. Je suis choquée. Il y a grave des croissants comme ça. Je suis mort, on dirait qu'on part au plaid. Arrivé à l'hôtel sur l'île. Je me suis changée vite fait et on repart pour la visite. Et encore plus de cailloux. Clamps.
Je me suis tellement laissée emballer par la vue que j'ai oublié le temple d'Apollon. Avec poivron, tomate farcie, c'est leur spécialité. Du poulet, petite sardine. Avec une vue de ouf. On est mat. Plein de boutiques avec plein de bijoux, c'est le rêve.
ça fait maintenant une semaine que je suis rentrée de Grèce et je voulais en profiter pour faire un petit bilan étant donné que j'ai pas trop vlogué le dernier jour parce que j'étais malade. En fait, on a pris le bateau pour rentrer de l'île et revenir sur Athènes. Le bateau tanguait à mort et le soleil tapait, donc j'ai fait une insolation et j'étais archi malade le temps qui restait. Donc voilà, j'étais pas hyper OP pour vlogger tout ça. J'ai essayé de faire quelques images, mais voilà. J'espère que tu m'en voudras pas parce que vraiment j'ai été malade toute la semaine. J'ai essayé de le cacher au max, d'être good vibe et tout, mais c'était vraiment dur. Et on va pas se mentir, le mood des Grecs n'a pas aidé. Sincèrement, je me sentais pas hyper à l'aise parce qu'ils sont pas accueillant du tout. Même des fois, t'avais l'impression de faire chier limite, tu vois, que ce soit dans les restos, même quand on allait demander des glaces, si t'hésites un peu sur les parfums et tout, tu sais, ils vont lever les yeux en l'air, des réflexions et tout. J'ai trouvé ça, je sais pas, hyper malaisant et tout. Apparemment, ils sont réputés pour ça. Moi, franchement, c'était vraiment, j'ai été vraiment surprise, tu vois. Et ouais, je sais pas, ça m'a un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un bête de voyage. Je pense que c'est aussi ça qui m'a beaucoup déçue, c'est que j'avais des hautes attentes du voyage, tu vois. Et je m'attendais à ce que ce soit un truc de ouf, que j'allais trop aimer et tout. En plus, c'est grave mon délire depuis que je suis petite. Je suis fan du dessin animé Hercule. Donc, tu vois, le délire antiquité grecque et tout, j'aime trop. Je voulais trop visiter tous ces endroits. J'ai kiffé, hein, par contre, toutes les visites archéologiques et tout, c'était top. C'est trop beau et tout, c'est impressionnant à voir. Pour ce qui est, genre, des vacances et tout, genre, je me verrais pas vraiment y retourner, sincèrement. Après, tout ce qui est visite, franchement, trop bien. Tu t'en mets plein la tête. C'est vraiment ouf. Il fait super chaud, il fait bon. Et je te conseille vraiment d'y aller hors saison parce qu'il y a moins de monde. Déjà qu'il y avait du monde dans les endroits à visiter. En sachant que c'était début juin, je te conseille vraiment d'y aller mai-juin. En plus d'avoir beaucoup de monde juillet-août, il va faire beaucoup plus chaud. Déjà que là, c'était bon. 28-30 degrés, il fait sec. C'est un peu similaire au climat de Marrakech. Qu'est-ce que je peux ajouter? Sinon, c'est un voyage vraiment pas cher. Pour ce qui est du billet d'avion, je sais pas si j'en ai parlé, j'en ai eu pour 105 euros aller-retour par personne. Les Airbnb et hôtels, c'était environ 300 à 350 pour 3. À la base, j'avais organisé ça pour y aller toute seule. C'est largement faisable pour y aller solo. Étant plutôt sensible aux énergies autour de moi, etc., ça m'affecte plus facilement. Et donc, je pense que quelqu'un qui est un peu je m'en foutiste et tout, ça le touchera pas et ce sera un voyage, voilà, il va kiffer, il va s'en prendre plein les yeux et c'est tout ce qu'il va retenir, tu vois. C'est vrai que voilà, je pense que c'est pas une destination faite de ouf pour moi. L'île d'Agena, super bon souvenir, c'est pas touristique du tout, enfin pas du tout, j'abuse, mais comparé à Mykonos par exemple, c'est pas du tout touristique, c'est hyper typique, hyper local, il y a beaucoup de restaurants locaux et là-bas, pour le coup, ils sont hyper sympathiques, hyper accueillants, souriants, bonnes vibes et tout. Donc voilà, j'ai trop aimé. Et les paysages sont incroyables, l'eau transparente et tout. C'était incroyable, trop beau. La nourriture. La nourriture, par contre, dans toute la Grèce. Hein. Enfin, dans toute la Grèce, j'ai fait Athènes et Aigéna. La nourriture. Incroyable, pas cher, healthy. Après, faut aimer tout ce qui est légumes, tout ce qui est poisson. Mais incroyable. Franchement, c'était trop bon. Je conseille fortement de goûter les tomates et les poivrons farcis. En général, ils proposent le plat avec les deux. C'est incroyable, c'est du riz avec de la sauce et tout, c'est trop bon. C'est végétarien, que le légume est dedans du riz avec des épices et tout. C'est incroyable, c'est trop bon. C'est vraiment proposé dans tous les restaurants où on est allé. Et à chaque fois, ils nous disaient que c'était le plat national. Vraiment. C'est incroyable, faut pas que tu loupes ça. Donc voilà. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si t'as d'autres questions, n'hésite pas à me les laisser en commentaire ou à me DM sur Insta. Et puis voilà, je vous fais des bisous et à très vite dans un prochain vlog.